Hi folks, salut les copains, moi c'est Arthur, bienvenue sur ma chaîne, Arthur RC. Folks, I'm Arthur and welcome to my channel. Today we will do the maiden flight of the FMS BAE Hawk 80mm. Inside there is a CNHL 6S 4000 70C and all the way back with some carved foam, as you can see. J'ai donc, vous voyez, hein, j'ai coupé la mousse pour pouvoir mettre la lipo le plus arrière possible et ça nous donne un CG à 105 mm. The CG is at 105 mm. This is 10 mm behind the book. So, I've got the gyro reflex inside. J'ai le gyro reflex d'origine dedans. On va décoller avec le gyro car on a beaucoup de vent aujourd'hui. On a des rafales à 25-30 km/h. Donc j'espère que ça va nous aider. So today, guys, a lot of wind, some gusts at 30 km per hour. This is around 15 miles per hour of gust. And for a little jet like that, it's a lot. The weight is 2.5 kg, ready to fly. Donc le poids, je crois que c'est 2,5 kg. Mais tout est dans la description, comme d'habitude. Hein. Regardez bien la description pour avoir tous mes débattements. Là, je vais décoller avec mes petits débattements. Qui sont bien sûr, je vais vous les afficher même sur l'écran. I will start with my low rate, my own low rate. No flaps, don't need it. The gyro is on. On a mis le gyro en route. Super easy to take off. Très facile, j'ai quasiment décollé mi-gaz. On va tout de suite tester le CG. Je pars un petit peu loin. Je vais trimmer d'abord. J'ai enlevé le gyro pour pouvoir trimmer correctement. Et ben, j'ai pas besoin de trimmer, dis donc. Allez, c'est reparti. On va tester le CG. Je monte. Et je pique. Let's dive. And it climbs on its own, ça remonte tout seul. So it's still a bit nose heavy. Je suis plein volé. Full flaps. With 3 mm down elevator. Je suis plein volé. Magnifique. Woo! Je me suis pris une petite rafale, dis donc. Bon, ma compensation a piqué un petit peu trop violente, je pense, avec les volets. Je vais me mettre avec les petits débattements du livre, The Low from the Book. Awesome. On va repartir. Tu peux laisser en route. Je vais juste modifier mon volet vers profondeur. Je vais en mettre un tout petit peu moins de compensation. I reduce a bit. And I think that's good. Hop, one notch of flaps. Allez, c'est reparti. Very fast takeoff, very very fast. We will try inverted flight. On va essayer le vol à dos. Ouais, ça descend. Ok. Ouais, c'est pas grave. All right, so. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. On va refaire un touch and go, tiens. Pour voir, full flaps. Plein volet, no throttle, très très bien, et encore, et ça monte, et à droite,
Et on est là. Et ça tourne. Et on grimpe. Tension la plus faible, 3,82 volts. Dead stick landing. Et ça repart. Il est incroyablement facile à voler. That's so easy to fly, guys. Even with that strong wind, that's so, so cool. Woo! Look at that wheelie. Excellent. Excellent. Allez, on va le faire revenir par chez nous. Et on arrête les chronos. Par contre, ma roulette va bien à gauche. Hein. Il va falloir régler ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tac, voilà. Donc, on a 2 minutes 50 de moteur, 4 minutes 12 de vol. Puis on est à 3,83. Ça va être du 3,85 ou 3,86 à mon avis, d'ici quelques minutes. Donc, ça ne consomme strictement rien du tout. Ça plane énormément. So guys, you can see 3.83 volts, but it will be 8.86, I think, in a few minutes for a flight of 4 minutes and 2 minutes and 50 seconds of useful total time. So that's pretty, pretty efficient. C'est excellent. C'est carrément excellent. C'est super facile. Le CG, je pense que je pourrais le reculer un petit peu, mais il faut que je mette du plomb derrière, du coup, parce que ma batterie est complètement en arrière. Mais bon, on verra ça après. Là, il est cool parce qu'il peut quand même faire des beaux atterrissages en wheeling. Donc, c'est très, très bien. Yeah, that's pretty awesome, guys. You see some wheelie landings, even with that nose heavy CG. Even it's 10 millimeters behind the book. But yeah, that's quite good. Very, very nice. Very good one. Very good job, FMS. Of course, you know where to buy yours. It will be in the description. All my links are in the description, guys. Donc oui, vous savez où acheter le vôtre. Hein. Tous mes liens seront dans la description, sur le site de FMS ou chez tous les revendeurs de chez beast2b.com. Et je vous mettrai tous les liens en description. On va refaire un petit vol histoire de régler parfaitement ça. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. See you very soon, guys, for a new video. Thank you so much for watching. Don't hesitate to put a thumbs up, as usual. Don't forget to subscribe, of course, very important. N'oubliez pas de vous abonner, les gars, et merci d'avoir regardé. À bientôt, ciao!